C'est ma première visite au Burundi. Et je tenais à venir pour voir un peu avec le gouvernement le programme de la banque ici à Burundi, le projet de la banque, ce que nous sommes en train de faire ensemble avec le gouvernement. Comme vous savez, la Banque mondiale est une institution qui a comme mandat la lutte contre la pauvreté. Et donc, je voulais voir avec Son Excellence le ministre et avec les membres du gouvernement quel est le programme du gouvernement pour lutter contre la pauvreté et qu'est-ce que nous pouvons faire comme Banque mondiale pour soutenir le programme du gouvernement. J'ai déjà eu des discussions et des rapports avec Monsieur le ministre et avec Son Excellence le Président de la République à travers des visioconférences. Mais maintenant que que nous sommes vaccinés, en tout cas, on peut voyager, je voulais vraiment venir au Burundi pour voir en réalité la situation sur le terrain. Et pour nous, il y a quatre points importants quand on parle, on pense de lutte contre la pauvreté. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir la stabilité macroéconomique de Burundi et le cadre réglementaire pour attirer les investissements. Deuxième point très important, c'est le capital humain et surtout l'autonomisation des femmes qui est nécessaire pour le développement du pays. Troisième point important, c'est les infrastructures et ce que nous pouvons faire pour soutenir et développer les infrastructures et surtout, je pense, à l'accès à l'électricité et à l'accès à l'Internet. Sans ça, on ne peut pas vraiment créer de nouveaux emplois et créer des opportunités pour les jeunes. Et quatrième point, c'est la nutrition. Au Burundi, on a plus que la moitié des enfants qui souffrent de retard de croissance. Et donc, c'est aussi, nous voulons voir avec le gouvernement ce que nous pouvons faire pour les aider. Je sais que ces quatre thèmes,